Donc changement d'allure. On passe sur du 360 avec une roue qui veut braquer à fond quasiment. Donc maintien du gaz et gestion de l'allure au frein arrière. Et là on a des superbes rotations. Position du corps qui accompagne le guidon, les épaules parallèles au guidon. Donc là, mon premier pilote coupe le gaz pour faire ses rotations, il n'y a plus assez d'inertie, obligé de mettre les pieds au sol. Mon deuxième pilote a tendance à maintenir un filet de gaz avec une gestion de l'allure au frein arrière, meilleur équilibre. Ou pas.